Allez, on est parti, ça y est, bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouveau live dans lequel, comme d'habitude, tous les mardis soirs, on regarde vos dessins, que vous avez posté, je sais pas la suite de la chanson. Donc, on est parti comme tous les mardis soirs, je disais, de 20h à 22h pour regarder vos dessins. C'est le rendez-vous que vous kiffez de ouf sur Twitch, et moi aussi, j'avoue. Regardez vos petites dingueries, c'est incroyable. Vous postez donc une photo sur mon serveur Discord, qui est en lien dans la description. Voilà, tout simplement, vous pouvez poster absolument tout ce que vous voulez, du niveau de dessin que vous avez, peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Et ben si, justement, on est là pour juger. Allez, c'est parti. Et let's go. Du coup, on a déjà un premier dessin de la part de Yoshi the Geek, qui a 12 ans. En général, je dessine plus au crayon, mais là, j'ai décidé de colorier au feutre à alcool. Bah écoute, déjà, c'est super cool en soi d'être sorti de ta zone de confort, d'avoir fait autre chose que ce que tu fais d'habitude. Et c'est justement ce que je vous conseille de faire très régulièrement. Oh, je vois là le S, le que... Ah, qui n'a pas fait ce S en soi? Franchement, tout le monde a fait cette espèce de S. Et en général, tu relis d'ailleurs les petites barres là pour faire comme un S qui s'entorsade sur lui-même. Dessin suivant de la part de Noopy, qui nous a fait un pion de jeu d'échecs. La dame, je crois, si je reconnais bien. Il y a un mélange de crayon de papier ou crayon de couleur et feutre. Et c'est trop cool. Moi, ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est le fait d'avoir utilisé des couleurs. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'utilisation de noir. La lumière est faite en jaune. Les ombres sont faites avec la complémentaire du jaune, le violet. Et bah, ça, c'est cool. Essayez de faire ce genre de choses d'ailleurs. Forcément, les premiers résultats seront pas incroyables. Hein. C'est sûr, quand on débute quelque chose de nouveau, c'est toujours un peu dégueulasse. Mais peu importe, on s'en fout si le dessin est dégueulasse. Au moins, t'as essayé. Enfin, je dis pas que ton dessin est dégueulasse, mais t'as compris quoi. T'as essayé de faire ça et franchement du coup c'est réussi, c'est cool. Peut-être orienter mieux tes hachures, parce que là elles sont dans ce sens là, là elles sont dans ce sens là, là elles sont dans ce sens là, et là elles sont dans tous les sens. Bref, définissez-vous une orientation de hachure en diagonale et vous faites des diagonales partout de la même orientation quoi. Xiona, salut Bruno, tu peux me dire comment améliorer les quelques imperfections STP? Et on passe au suivant. Non, je dis comment l'améliorer? Moi je dirais plutôt ça serait le fond et trouver un moyen pour le détacher du fond, c'est-à-dire peut-être que là, tes traits de contour à l'intérieur devraient être plus fins et les traits de l'extérieur devraient être plus épais. C'est ce qui se passe d'ailleurs en général avec tous les dessins de cartoon. Pour les détacher du fond, tu remarqueras que bah, c'est peut-être des fois très léger, mais les traits de contour extérieur sont plus épais que le reste. Améliorer le fond plutôt que de faire des points plus d'éclaboussures comme ça là. Peut-être essayer de faire un dégradé un peu plus homogène. Enfin, je sais pas, ça me parle pas trop les petits points comme ça. Voilà. Allez, mes guirlandes, c'est un projet de tatouage en rapport avec la naissance de notre fille. Oh ouais. Et du coup, je suppose qu'elle est... Attends, c'est le symbole scorpion, ça, non? En vrai, je suis scorpion, je sais même pas à quoi ressemble mon symbole. Mais je crois que si, c'est la queue du scorpion là qui est là. C'est ça, hein? Non? Dites-moi dans les commentaires. Et sinon, en tout cas, c'est toi qui as dessiné les fleurs. Elles sont géniales. Peut-être que même là, la tige de la fleur, elle serait peut-être en trop. Et la tige de la fleur, en fait, ça pourrait être la barre du M de la lettre. Je sais pas quelle lettre c'est. Mais bref, ça pourrait être la barre de la lettre, là, qui part comme ça, et paf, qui est la tige de la fleur. Donc, qui serait en soi un petit peu plus épaisse. Oui, oui, c'est scorpion. Yes, le pro YouTube. Bonjour, bonsoir. Alors, du coup, sachant que les lives sont de 20h à 22h, tu devrais le savoir. C'est donc bonsoir. Désolé pour les oreilles. J'espère que tu vas bien, Bruno. Oui, ça va. Je m'appelle Abby. Eh ben, Abby, toi. La blague est valide. Ce dessin, je l'ai fait en cours de maths. Et t'as eu ton brevet. Ah ouais, tu dessines en cours comme ça et t'as ton brevet. Ok. Bah, dessiner en cours, faut croire que ça donne le brevet. Le personnage assez connu de Doctor Strange, le magicien suprême. T'as marqué Doctor Strange au cas où on n'avait pas reconnu. Ouais, sinon on a reconnu, t'inquiète pas. Mais trop cool en tout cas. Alors, moi, il y a un truc qui me choque. C'est. Bah, il est pas centré sur ses épaules, en fait. Tu vois? Genre là, c'est le milieu de son torse. Son épaule gauche, elle est immense. Enfin, épaule droite, du coup, pour lui. Et son épaule, elle est grande, mais elle est plus petite. Enfin, bref, du coup, c'est surtout ça qui me choque. Genre, la tête, elle devrait être là, en fait. Enfin, elle devrait être un petit peu plus sur le côté. Voilà. Sinon, après, il y a les yeux qui sont bizarres. Genre, lui, il nous regarde. Et l'autre, il regarde en bas de ce côté, là. Il y a un petit peu un strabisme, tu vois. Vraiment, les gars, ça, c'est super important. Sur un visage, vous pouvez faire une forme de visage quasiment éclatée. Si vous dessinez mal les yeux, on verra vraiment que c'est mal. Les yeux, la bouche, le nez, en soi, c'est les trois les plus importants. Oui, après, les oreilles, le front, les cheveux, vous pouvez faire quasiment n'importe quoi. Mais vraiment, les yeux, la bouche, le nez, c'est vraiment hyper important. Le nez était peut-être un petit peu gros aussi. Sinon, après, c'est bien. Ça manque de l'ancrage et de la couleur. Là, il dessine à fond quoi. Allez, on passe au dessin suivant de la part de Océane. Cette fois, j'ai pas utilisé d'image de référence, mais je trouve que les proportions sont correctes. C'est entre chaton et jeune adulte. C'est un chatulte.
Je le précise, on sait jamais. J'ai 13 ans. En vrai, le croquis était plus beau. Tu déconnes, il est incroyable. Et la meuf, elle fait ça à 13 ans, quoi. C'est là, à ce moment-là, où je te remets en question, il y a des gens qui font ça à 13 ans. Ouais. Mais en tout cas, incroyable. Ouais, il y a juste un truc qui me choque, c'est cet œil-là. Regardez, cet œil-là est cohérent à peu près avec le chat. Celui-là aussi, mais indépendamment l'un de l'autre. Quand tu mets les deux ensemble, on a l'impression qu'il s'est pris un camion sur l'œil, là, et qu'il est vraiment très enfoncé. Il devrait être un peu plus vers nous, et aussi un peu plus petit, un peu plus haut. Sinon, c'est vraiment le seul truc qui me choque. Mis à part que ton chat est vraiment très, très maigre, non? C'est censé y avoir du poil par ici, là, non? Après, c'est un jeune, un chatulte, comme t'avais dit, donc bon. Tac. Yuki Doll. Salut Bruno, je m'appelle Cilia. J'ai 17 ans, voici un de mes dessins faits sur téléphone via l'application Bespoint X. Si le personnage n'a pas de bouche et de nez, c'est fait exprès. Non, c'est juste que t'as pas envie de dessiner la bouche et le nez. Ou alors que tu ne sais pas dessiner la bouche et le nez. Du coup, essaye! Et voyez au final, on peut faire des trucs instillés, pas besoin d'avoir Procreate. Et Bespoint X, il me semble que c'est gratuit. Donc si jamais vous voulez une application gratuite pour dessiner sur tablette, et voilà! Je crois même que c'est dispo sur Android. Trop cool. Je pense que, je sais pas ce que c'est ces petits points là, si c'est des poils, si c'est juste pour rajouter de la texture. Mais du coup, en fait, ça connote quelque chose. C'est-à-dire que sur le suite, on a l'impression que c'est un suite en laine qui gratte, tu vois. Sur les mains, on a l'impression que c'est des poils. Pourquoi pas, elle est un peu en mode chat, grrr, donc elle est poilue. Par contre, sur le visage, on dirait du coup que c'est des grains de beauté. Mais alors, t'as forcé sur les grains de beauté, c'est vraiment beaucoup. Sinon, après, je trouve que les yeux sont quand même très très bas. Ils devraient être au niveau des sourcils presque, tu vois. Ah, sinon, il y a juste chat qui me choque. En tout cas, très beau nail. Allez, on passe au dessin suivant de la part de Kitanei. J'ai dessiné mon crush. Il y a trop de charisme, Doma. Ok, donc on a deux versions. On a le croquis, qui est déjà grave stylé, et l'ancrage. Mais en tout cas, franchement, grave full. Autant, je trouve l'un comme l'autre très stylé. Le croquis, alors oui, là du coup, elle a posté deux dessins. Mais c'est deux dessins qui sont en rapport avec le même dessin. Le croquis, l'ancrage. Vous pouvez faire ce genre de choses. D'ailleurs, justement, c'est très intéressant de voir la différence entre les deux, comment vous avez évolué, etc. Pareil aussi, si vous avez redessiné un dessin que vous avez déjà fait par le passé. Si vous avez dessiné un dessin quand vous avez 12 ans et que vous essayez de refaire le même à 18 ans, potentiellement, on peut avoir les deux pour comparer. Ça peut être très intéressant. Si vous arrivez à le retrouver. Franchement, le style du croquis est trop cool, vraiment crayonné, un peu rough. Donc au final, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir ce style un peu hésitant sur les traits pour les croquis, mais par contre pour l'ancrage, bam, on passe sur des traits qui sont clac 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 clac. Enfin, vous avez compris, quoi. Du coup, ouais, ce que je disais, ce qui est super trop cool sur ce dessin, c'est l'harmonie que tu as suggéré entre le noir et le blanc. Donc, c'est-à-dire, beau contraste, et il n'y a pas genre du noir à un endroit et du blanc à un endroit. Il y a du noir et du blanc un petit peu partout, ce qui fait que le dessin est homogène. Bon, ça, j'imagine, c'est des bulles, t'aurais pu faire quelque chose à l'intérieur, genre, je sais pas, marquer Yaden Kodasai. C'est le seul truc que je sais dire en japonais, je crois. On coupera ça au montage. En fait, non. Voici mon premier dessin de Luffy et mon premier dessin au feutre à alcool. Ah ouais, ça fait beaucoup de premières fois, dis donc. Tu t'appelles U. J'ai trop zoomé sur l'écran, du coup on peut pas voir les pseudos en entier, je suis désolé. Mais du coup n'hésitez pas à remettre vos pseudos. Attends, il y a eu des messages, ils ont dit quoi? Les stations, tu as maîtrisé le feutre à alcool là où beaucoup de gens n'y arrivent pas et dépassent. Mais dépasser, c'est pas grave, on s'en fout. Par contre, c'est vrai que t'as maîtrisé de fou. J'aime bien le truc carton que t'as fait en dessous là. Pas vraiment ce que t'as voulu faire, mais pourquoi pas. Par contre, il y a plein de trucs qui vont pas dans ton dessin. C'est le chapeau, enfin j'allais dire il est plus gros que sa tête, mais oui, sur le personnage il est plus gros que sa tête, mais là c'est quand même pas grand. Dans le sens où il est aussi plus gros de ce côté que de ce côté. Pareil, là il est beaucoup plus large par rapport à là. N'hésitez pas à la limite, vous faites des mesures si vous avez peur de ne pas réussir ce genre de choses. Et du coup, ça fait que, bah, en fait, tout le visage se retrouve décentré par rapport à ce côté. Qui plus est, même, il touche presque le bord de la feuille, alors que ici, il y a une belle marge, etc. C'est bien construit. Mais que de ce côté, il faudrait cacher ce côté-là. Mais en tout cas, sinon, voilà, il est trop bien. Donc, je t'invite à recommencer. Allez, YouTube crevette design. Petite illustration de mes original caractères. Ah ouais, en plus, c'est des original characters. Yeah. Ceux-là, ils sont trop stylés. J'aime beaucoup le fait que ce soit comme de l'énergie qui révèle ces différentes identités incroyables. Et même si au final on a des traits qui sont un peu approximatifs, on a un coloriage qui est un peu à la zub, genre là ça dépasse, là c'est pareil et tout, mais ça, c'est ça qui est cool. Et pareil là sur l'ours, le coloriage il est incroyable dans le sens où il est pas fini, il est pas fait entièrement, et c'est ça qui lui donne beaucoup plus de style et d'énergie. Donc vous voyez, les coloriages c'est pas forcément quelque chose de très bien, on dépasse pas, voilà, non, ça peut être juste blablabla, et ça peut être même encore mieux. Oh, un petit dragon, enfin un gros dragon vu l'échelle avec le petit bonhomme. Bonsoir, je suis un petit dragon abyssal face à un humain. Ah oui, bah du coup apparemment c'est un petit dragon. Donc j'imagine pas les gros. Je l'ai fait à l'aquarelle et au crayon de couleur. Je maîtrise pas encore les dessins avec de la couleur. Bah écoute, ce que je pourrais te conseiller par rapport au dessin à l'aquarelle, par exemple, ça serait de travailler en fonction des plans. C'est-à-dire que la queue, elle est derrière. Et on ne fera pas de remarques sur cette phrase. Hein? La queue est derrière, donc potentiellement plus foncée. Tu la peins d'abord, tu la sèches, et ensuite tu peins tout, tu repeins tout. Donc du coup, ça fait que deux couches vont se retrouver sur la queue.
encore une fois, on fera pas de remarques sur cette phrase. Et donc, elle va être plus opaque, plus intense, parce que du coup, elle sera derrière. Et bref, il y a un autre truc aussi. Là, j'ai l'impression que t'as débordé, ou alors c'est fait exprès, je sais pas. Ah non, bah non, c'est fait exprès parce que s'il fait de la lumière. Ah ouais. Bref, il y a un autre truc que tu peux faire en aquarelle aussi, c'est bah être plus léger en soi, parce que là, j'ai l'impression que t'as charbonné de fou sur le pigment, et là, c'est un peu moins. Donc, ça ne devrait pas être à un endroit en entier du serpent et rien du tout à un autre. Ça devrait être un peu uniforme et peut-être à des endroits plus intenses à ce niveau-là, dessous là, dessous ici, sur la queue derrière, pareil, pour lui créer des ombres et des lumières. En tout cas, très très cool d'avoir pensé à faire ce genre de choses avec un petit bonhomme pour donner au moins l'échelle. Tu peux faire le fond maintenant avec bah, aussi du bleu quoi. Bonsoir, je m'appelle Clara, j'ai 16 ans et je suis passionnée par le dessin. J'adore ton compte Instagram et il m'inspire beaucoup pour créer. Bah merci beaucoup. Moi, je m'inspire aussi beaucoup d'autres créateurs pour créer. Nous allons donc examiner ces références. Je vois Mandalorian avec Star Wars. Bah, tout est Star Wars en fait. Dark Vador, la Résistance. Je crois que c'est la Résistance. Comment il s'appelle lui ? BB-8. Ça, c'est Kate Haring, je pense. Warhol avec la banane. Salvador Dali avec les horloges fondantes. Van Gogh. Ça, c'est peut-être Jeff Koons. Il y a encore du Kate Haring ici. Avengers. Oh, Monsieur Chat, carrément ! Art, du coup, ça, on aura compris. Avec du petit Mondrian à l'intérieur. Ça, je saurais pas trop dire. Ah, Mickey, soit en soi. Il y a Magritte, oui. Warhol encore. Avec le Campbell Soup. Takashi Murakami. Et ça, il me semble que c'est Ray Lichtenstein, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est les références basiques, mais on apprécie. Et j'aime bien tous les petits dessins, les petits doodles un petit peu partout, inspirés du coup de Mr. Doodle, ou Elodie aussi, peut-être. Bah voilà quoi. Vex, peut-être aussi. Critiquez pas SVP, j'ai 11 ans. Oh, tu es très jeune. Sinon, j'espère que je vais passer et bonne soirée. Bah, tout le monde passe. Alors, par contre, il y en a un, Coco, tu n'as pas kiffé. Hein. Moi, il y a vraiment un truc que je vous conseille, c'est ne jetez jamais vos dessins. Et un deuxième truc que je vous conseille aussi, c'est utiliser des carnets de croquis. Vous utilisez des carnets de croquis, vous avez tous vos dessins au même endroit et vous ne les jetez pas. Ça fait que du coup, quand vous êtes grand, eh ben, vous avez tous vos dessins rangés par carnet de croquis. C'est marqué l'année. Moi, je marque aussi ce que je fais dessus, sur la tranche. Si c'était du portrait, si c'était des parodies de Pokémon, ben, si c'est du portrait et des parodies de Pokémon, je mets parodies de Pokémon plus portrait. Puis voilà. Et comme ça, quand tu les as rangés dans ton étagère, t'as sur la tranche marqué tous les années. Et c'est génial. Plutôt que du coup dessiner sur des feuilles que, bah, quand il y a un dessin qui te plaît pas, tu découvres la feuille. Non, poteau. Quand t'as un qui te plaît pas, tu le laisses. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave de rater des dessins. Moi, encore aujourd'hui, à 28 ans, en ayant fait des milliers de dessins, je rate encore des dessins. Est-ce que c'est grave? Bah non. S'en fout. Enfin bref, voilà. Oh. Nahayoga, salut, Bruno, j'ai 12 ans. Je fais ce dessin l'année dernière car je suis fan de Picsou. Eh mais franchement, il est grave stylé. Il faut se dire quand même que le gars, il fait ça à 12 ans. Donc chapeau. Il y en a un de chapeau. Mais en plus de ça, il y a même une texture sur le fond là. Tu vois ce que t'as fait là? Le bord, le reflet là. C'est trop cool. Et t'aurais dû le faire tout autour. Tu l'as même fait là de ce côté. Paf, 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 paf. Et pourquoi tu l'as pas fait derrière aussi? Alors oui, peut-être que du coup, il y aurait plus de reflets du côté de la lumière. Effectivement, c'est pas une si mauvaise idée. Mais du coup, t'aurais dû encore plus l'intensifier. Soit peut-être un petit peu plus large, soit aussi bah en haut, c'est un peu partout quoi. Là aussi là, de ce côté, même si tu l'as fait du... Enfin bref, trop bien, trop bien. Non, j'ai rien à redire. Il y aurait juste un truc qui me choque là, c'est au niveau de la lunette, elle a le même trait que le bas de l'œil. Et en général, dans les cartoons, comics, etc., ils se débrouillent pour que les lignes de dessin ne se chevauchent pas, pour qu'on fasse bien la différence entre, bah ok, ça c'est l'œil, ça c'est la lunette. Voilà, non, il est insane. Oshi, coucou, moi c'est Oshi Chia, Kei et Oshi pour les amis. Voilà ce que ça donne. Grave stylé, hein. Du coup, c'est une belle vache. Elle est bonne, la vache. Hein. Elle est tchouch. J'en peux plus de moi, je vais boire un coup. Une vache badass. Ouais, c'est vrai, c'est une vache badass. C'est une vache badass aussi qui fait des incantations chamaniques. Oh, la fumée, en vrai, sur les bougies, là, elle est incroyable. On dirait de la fumée liquide. Qu'elle fait des bleus. Non, franchement, incroyable. Une meuh gothique. Bien vu, bien vu. Alors franchement, incroyable ton dessin. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que je pourrais redire. Mis à part, fais-nous en plus. Ah, il est incroyable. Je like. Non, même genre, je super like. Dégueulasse, il a même passé la serpillère. Coucou Bruno, moi c'est Tamouhei. J'ai 14 ans et je dessine depuis quelques années. J'ai refait un dessin de Pinterest dans mon style sur iPad. Qui est insane. Et franchement, il y a du talent. Hein. Il y a du talent dans les abonnés. Incroyable. Et en plus de ça, le fait de même pas avoir utilisé du noir pour le contouring. Vous voyez ? Il n'y a pas forcément besoin de toujours faire un contour en noir ou un truc comme ça. Vous prenez juste une couleur, la même, en plus foncé, et ça fait les contours. Alors par contre, pour le jaune et le rose à l'intérieur du corps, je les trouve quand même très légers. Je trouve que le contraste entre ça et ça, et ça et ça, c'est
pas assez contrasté du coup pour faire des contours. Ou alors potentiellement t'aurais pu venir avec une couleur encore plus foncée et réaccentuer certaines parties du contour. T'as lu un dessin que j'ai fait moi-même, j'ai 13 ans. Je sais pas quel modèle tu as pris, donc peut-être qu'il était vraiment comme ça, mais il y a plusieurs choses qui me choquent. Le visage, il est incroyable. Le visage est très très bien réussi. Les yeux sont gigantesques. Alors je pense que t'as pris un dessin qui était un petit peu exagéré, caricaturé, parce que je sais pas, il est pas comme ça Donald à la base. Mais n'empêche qu'il est super bien réussi. Le chapeau, je le trouve gros en fait. Et c'est surtout ça là, l'espèce de petite bande sur le chapeau qui est en général très très fin. Et là, il est extrêmement gros, voire même il touche le visage. Enfin bref, c'est très gros. Et surtout les épaules en fait, elles n'existent pas. Le cou est très long et les épaules n'existent pas. C'est surtout ça qui me choque. Mais après, peut-être que du coup ton modèle était comme ça et ce qui fait que du coup tu as dessiné comme ça. Donc pourquoi pas. Mais voilà. M, bonjour tout le monde, je m'appelle Mathilde. Je fais des études pour devenir illustratrice. Voici une gouache. Alors autant dire que je pourrais pas forcément beaucoup t'aider, mis à part de me dire de prendre une photo carrée. Parce que du coup on pourra pas voir le dessin plus gros que ça, c'est dommage. Tout simplement parce que j'ai jamais testé la gouache. Enfin si, mais quand j'étais petit, tout ça, de véritable peinture à la gouache quoi. Après tu me diras, c'est peut-être un peu pareil que la peinture acrylique. Il y a peut-être un truc qui me choque, c'est la jambe est très grosse au niveau du genou. Non pas qu'elle a une grosse jambe, ça on s'en fout, mais elle est très large au niveau du genou. Alors que potentiellement, si elle plie la jambe, le pantalon est censé se tendre et se resserrer au niveau de son genou. Et là, c'est pas le cas. Pareil, son fiac, je le trouve un peu petit par rapport à, je dirais, la corpulence de la demoiselle. T'aurais pu faire un plus gros cul. Mais après, ce que tu me dis, pourquoi je dis ça, je sais pas. Et je commence à fatiguer un petit peu. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est ça, là, cette partie-là. Que t'as fait avec les mêmes couleurs, mais plus intense en lumière, comme si du coup il y avait une partie de lumière qui éclairait cet endroit. Alors je comprends pas trop comment il y a que cet endroit qui est éclairé et voilà, j'ai un peu du mal à comprendre d'où vient la lumière, tout ça. Mais en tout cas, n'empêche que le résultat est très stylé. La petite bordure blanche, en tout cas, aussi j'aime beaucoup. T'as quoi la brûlure bizarre? Mais non, mais en vrai, mais c'est vrai. C'est en général, si t'as cette taille de hanche, tu es plus gros, tout simplement. Niveau morphologie, pourquoi je mets la main comme ça, je ne sais pas. Mais niveau, c'est encore pire avec les deux mains. Niveau anatomie de la personne. Tu vois. Allez, prochain dessin de Nawa Ishigo. Ishigo Ishiye. Oulala. Donc voilà Lilou qui a 17 ans et qui dépine depuis ses 14 ans. C'est bien. Allez, on passe au suivant. J'adore vous troller comme ça. Bah écoute, franchement, déjà c'est vrai, c'est bien. Il y a un truc qui est cool, c'est que t'as de l'ombre sur les pattes derrière, en arrière-plan, pour bien dire justement, ouais, elles sont derrière. Peut-être que du coup, tu aurais pu faire plutôt une couleur qui soit en rapport avec le dessin, plutôt que seulement du gris. Et aussi, bah si la papatte elle est là, qu'il a des crochets comme ça, là, on devrait voir hein, soit ici devant, soit derrière, genre il a la patte comme ça, soit il l'a levé et du coup on devrait voir un bout de patte ici, soit il l'a comme ça et on devrait voir du coup un bout de patte comme ça. Enfin là, par contre, il manque un bout de patte. Je dis pas ça parce que j'ai mangé des pâtes. Je t'ai lu comme blague. Et cette main, elle est un peu petite aussi par rapport à elle qui est énorme. Potentiellement, oui, il y a une réduction par rapport à la perspective, tout ça, mais voilà. Après, point de vue perspective, il est quand même très en 2D ton dragon, tu vois. Donc potentiellement, tu pourrais imaginer aussi maintenant des endroits qui sont plus près que d'autres au niveau du corps. Qui soient vraiment, pour le coup, en 3D avec des trucs qui viennent de près, de loin, et puis un truc qui part loin, et voilà. Challenge pour toi. Et au niveau des fleurs, je dirais plus varier la taille des fleurs. Là, t'as fait des très grosses, t'as fait des moyennes, et peut-être un petit peu des petites, mais tu les as fait partout. Moi, je sais pas, faudrait peut-être plus organiser tes fleurs. Alors, un prochain dessin. Oh, c'est une fresque. Salut, voici un petit graffiti fait avec mes amis et un graffeur pro, Boris Bobs, sur Insta. Donc je pense que c'est le graffeur pro en soi. Et du coup, vous avez fait ça. Et ça pète, hein. Vu que c'est en intérieur et que c'est quand même assez détaillé, je pense que vous avez fait ça à la peinture, au pinceau, peut-être au rouleau, voilà. Mais c'est trop stylé. On reconnaît bien en plus que vous avez dessiné, voilà, TikTok, Nintendo Switch, Super Mario, la pizza et le plus 4, si vous là. Mais il veut des tacos aussi, pourquoi pas. Incroyable. Non, c'est trop cool. GG au graffeur qui est venu avec vous et puis à vous, quoi. Et puis là, il y a marqué dance, blabla, happy, potin. Il y a vraiment marqué potin. Nous, on adore les potins. Il y a vraiment marqué blabla. Et c'est une classe qui parle de potin. 669X Reflex, ou pseudo un peu bizarre. Bref, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce dessin, c'est les hachures, là. Qui sont dans un sens, dans l'autre. Et ça fait une espèce de agabi bouga qui donne du coup une sacrée texture au dessin. Dans le sens où, là, elles sont dans le sens des fibres, on va dire, de la peau.
crois pas. Mais sur la cicatrice, vu que la cicatrice, potentiellement, les fibres de la peau, du coup, ont fait blablabla, et bah du coup, il a fait des hacheurs dans tous les sens. Et du coup, ça donne une texture différente par rapport aux abdos. Vous voyez ? Et du coup, ça rend trop trop bien. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est là, les espèces d'éclats d'énergie autour. Bah du coup, ils sont contourés, mais ils sont en blanc à l'intérieur. Dans le sens où il n'y a pas besoin de mettre des couleurs et justement parfois enlever la couleur d'une certaine partie ajoute quelque chose à votre dessin. Vous voyez ? En enlevant quelque chose, on ajoute quelque chose. Je pense que c'est une bonne citation, ça. Et maintenant, c'était tout pour ce live de regarder, enfin cette vidéo, non, puisque oui, on est en live tous les mardis soirs de 20h à 22h sur Twitch. Le lien est d'ailleurs dans la description. Si jamais vous voulez aussi poster vos dessins sur le serveur Discord, le lien est également dans la description. Et puis du coup, on se retrouve toutes les semaines sur Twitch le mardi soir pour regarder vos dessins. Il y a aussi d'autres rendez-vous, je vous invite à aller voir sur la chaîne Twitch dans la partie programme. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne si vous voulez pas aller voir sur Twitch et juste regarder les rediffusions des lives, même si il n'y a pas tout, parce que je ne peux pas tout mettre 2 heures en l'espace de 15 minutes. Allez, c'était tout pour moi. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. Souscrivez-vous, bonne soirée. Ciao.